Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission de Midi en Caire, de vendredi bien sûr. Pendant cette édition, spécialement, on essaye de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Commençons par le domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme, jusqu'au domaine du tourisme et de la culture. Donc, nous allons tout de suite commencer cette édition, mais tout à fait après cette petite pause. En fait, nous devons commencer cette tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que notre président Abdel Fattah el-Sissi a affirmé que l'État égyptien tenait toujours à soutenir l'indépendance de la justice, y compris la justice administrative, de renforcer son rôle et son statut grâce à sa conviction que la justice est le pilier de la société, de la garantie même de sa sécurité et sa paix. Par conséquent, la constitution égyptienne est tenue à confirmer cette indépendance, à protéger le pouvoir judiciaire, à interdire toute intervention dans ses affaires, à maintenir l'état de droit et à consolider les valeurs de justice et d'égalité. C'est ce qu'a ajouté en fait le président Abdel Fattah el-Sissi en recevant les chefs et les représentants des conseils d'État et des cours administratifs suprêmes africains. Et donc, tout de suite, je dois vous laisser avec les explications dans ce reportage suivant. Le président Abdel Fattah el-Sissi a affirmé que l'État égyptien tenait toujours à soutenir l'indépendance de la justice, y compris la justice administrative, et de renforcer son rôle et son statut grâce à sa conviction que la justice est le pilier de la société et la garantie de la sécurité et de sa paix. Par conséquent, la constitution égyptienne a tenu à confirmer cette indépendance, à protéger le pouvoir judiciaire, à interdire toute intervention dans ses affaires, à maintenir l'état de droit et à consolider les valeurs de justice et d'égalité, a ajouté le président el-Sissi, cela en recevant les chefs et les représentants des conseils d'État et des cours administratifs suprêmes africains. Cette rencontre est intervenue dans le cadre de la visite des juges africains en Égypte pour prendre part à la création de l'Union des conseils d'État et des cours suprêmes africaines, parallèlement à leur participation à la célébration du jubilé de diamant du Conseil d'État d'Égypte, marquant le 75e anniversaire de sa création, a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, Bassem Rhodi. La justice administrative est le gardien des droits et libertés publiques et garantit également la justice dans les travaux de l'administration, ce que l'ancien Conseil d'État égyptien s'est attaché à réaliser depuis le premier jour de sa création en 1946, a dit le président el-Sissi. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte tenait à appuyer la création de l'Union des conseils d'État et des cours suprêmes africaines afin de répondre aux aspirations légitimes des peuples africains à protéger leurs ressources et à préserver leurs droits et libertés. Le soutien de l'Égypte à la création de cette union vise également à diffuser la sensibilisation et la culture juridique et à échanger d'expériences et de connaissances, notamment dans le domaine du droit administratif entre les peuples du continent africain, tout en tenant à la solidarité et à la coordination afin de faire avancer l'action africaine commune, a-t-il ajouté.
Quant au Premier ministre Dr Moussa Madboudi, il a conduit mardi dernier la réunion du Conseil de coordination des politiques monétaires et financières tenue en présence du gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, M. Tariq Amer, de la ministre de plan Hala Saïd et des responsables concernés et membres experts du Conseil. La réunion était d'une grande importance pour étaler la vision du gouvernement de la BCE et même assurer leur coordination sur les politiques monétaires et financières à la lumière de la crise mondiale. C'est ce qu'a donc conclu le Premier ministre Dr Moussa Madbouli justement à l'égard de cette réunion. Donc les explications seront tout de suite avec notre collègue Ayachel. Le Premier ministre Moussa Madbouli a conduit la réunion du Conseil de coordination des politiques monétaires et financières tenue en présence du gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Tariq Amer, de la ministre du plan, Hala Saïd, des responsables concernés et membres experts du Conseil. La réunion est d'une grande importance pour étaler la vision du gouvernement et la BCE et assurer leur coordination sur les politiques monétaires et financières à la lumière de la crise mondiale, a dit Moussa Madbouli. Le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte a pour sa part affirmé que la dernière période avait connu une pleine collaboration entre les deux parties en vue d'assurer la disposition des produits et matériels de production, de se tenir sur les causes de la hausse de l'inflation due d'ailleurs aux conditions mondiales et les mesures de la contrée. Monsieur Amer a mis en exergue le rôle des politiques de la Banque centrale d'Égypte dans la réalisation de la stabilité du marché monétaire et la lutte contre l'inflation. Précisé que la crise en russo-ukrainienne avait un impact sur les prix des denrées alimentaires à l'échelle mondiale, ainsi que les prix du pétrole, du blé, des engrais et du fourrage. Et souligné que la perturbation des chaînes d'approvisionnement était un des facteurs clés de la hausse du taux d'inflation. Il a abordé les facilités de crédit offertes au secteur public et les affaires privées. Le vice-ministre des Finances pour les politiques financières, Ahmed Kojak, a présenté les retombées de la crise russo-ukrainienne sur le budget de l'État et qui a présenté un nouveau fardeau dans la hausse des prix des produits, des services pour les organes du budget et du coût des projets. Sur le plan régional, le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a souligné l'intérêt de la direction politique de l'Égypte et des Émirats arabes unis et de la Jordanie à faire avancer, à faire progresser les cadres de coopération bilatérale, insistant sur la nécessité d'atteindre cet objectif en vue de réaliser la complémentarité dans les divers secteurs au service des peuples et de ces pays arabes. M. Madbouli a tenu ses propos lors de sa rencontre lundi avec, entre autres, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamar, le directeur exécutif du Centre de modernisation industrielle, Mohamed Abdelkalim, pour examiner les opportunités de coopération commune entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et le Royaume hachimite de Jordanie dans le secteur de l'industrie. Un nombre d'opportunités de la coopération industrielle entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie, selon une vision basée sur l'investissement des avantages compétitifs de chaque pays, ont fait également l'objet d'examens. Nous restons toujours avec le Premier ministre Dr Moussa Madbouli. Cette fois-ci, ce dernier a accueilli favorablement les plans d'expansion du groupe automobile multinational Stellantis en Égypte par la production des véhicules électriques à bas prix. Le gouvernement est pleinement disposé à présenter au groupe toutes les possibles facilités en vue d'élargir ses travaux sur le marché égyptien dans le domaine de la production des véhicules électriques. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre dans un entretien avec le PDG de Stellantis, Mohamed Mansour. Le directeur exécutif du groupe, Samir Chefran, a passé également en revue les activités dans nombre de pays dans le monde, y compris le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Algérie, soulignant ainsi le souci de profiter des avantages présentés par l'Égypte à la lumière de la stratégie nationale de développement de l'industrie automobile en vue d'y construire une usine de production des véhicules électriques qui répond aux besoins du marché local comme aux exportations. «
En fait, les préparatifs de réunion annuelle de 2022 de la Banque islamique de développement BID, prévue du 1er au 4 juin prochain à Sharm el-Cheikh, a été suivi par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouly lors d'une réunion. La ministre du Plan et de Développement économique Alaa Saïd, le ministre adjoint des Affaires étrangères, coordonnateur de la conférence, l'ambassadeur Hicham Badr, et nombre de responsables du ministère du Plan. M. Saïd a passé en revue un rapport sur les activités de la BID, le volume de ses investissements aussi bien que la contribution de l'Égypte à son capital, soulignant que l'Égypte se classait 7e sur la liste des importants actionnaires avec 7,07% des actions. D'autre part, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouly a assisté à la signature d'un mémorandum d'entente portant sur la fabrication des alternatives au plastique d'un montant de 50 millions de dollars. L'accord a été conclu entre le ministère de l'Environnement, le groupe international des services pétroliers et industriels INCOM et l'entreprise mondiale Okeanos sur l'élaboration du cadre général et régularisant la coopération dans la réalisation de projets « Made from Stone ». L'accord a été signé afin de frayer la voie au secteur privé, de parachever la stratégie nationale sur le changement climatique et d'offrir de nouvelles perspectives d'investissement dans le domaine des déchets alternatifs au plastique dans le cadre de l'accueil par l'Égypte de la COP27. C'est ce qu'a indiqué la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad. Dans le domaine économique, toujours, on trouve que le ministre du Développement local, Mahmoud Chaaraoui, a fait des déclarations très importantes. Il a indiqué récemment que le renforcement des capacités des villes intermédiaires contribuait bien sûr à un développement de la capacité des municipalités à se présenter comme une facette d'investissement productive, soutenant l'économie locale, jugeant ainsi indispensable la diversification des domaines de l'économie locale pour réduire l'impact de chocs économiques. M. Chaaraoui a révélé, a tenu ses propos lors de sa participation à une séance sur le rôle des villes intermédiaires dans la réalisation du développement économique local en marge du sommet Africité de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis, qui se tient dans une ville de taille intermédiaire, celle de Kisumu, troisième ville du Kenya. Passons justement, chers téléspectateurs, à un autre domaine. Il s'agit cette fois-ci, du canal de Suez, du tourisme et de la culture. Cette fois-ci, le chef de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, s'est entretenu avec M. Vincent Capredon, directeur du Musée national de la marine en France, de l'avancement du projet du Musée mondial du canal de Suez et des moyens de la coopération conjointe. Dans un communiqué publié récemment, M. Rabir a aspiré à la consolidation de la coopération entre le Musée du canal de Suez et le Musée national de la marine en France, au vu du souci de l'autorité de faire du Musée mondial du canal de Suez un pilier clé pour la sauvegarde du patrimoine maritime et pour raconter l'histoire du canal qui est marquée par plusieurs étapes importantes. De son côté, M. Capredon a précisé la complémentarité que réaliserait ce projet qui, selon lui, pourrait servir de forum culturel, civilisé et de développement tout en louant les travaux de restauration en cours et qui sont conformes aux normes de qualité mondiale. Le pilote Mohamed Manar, ministre de l'aviation civile, a reçu récemment son Excellence l'ambassadeur de Sierra Leone en Égypte au siège du ministère pour discuter des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays et de transférer l'expertise égyptienne à la République de Sierra Leone dans divers domaines de l'industrie de l'aviation civile. Le pilote Mohamed Manar a souligné que le ministère de l'aviation civile et ses filiales sont désireux de fournir toutes les formes de soutien et de transférer l'expertise égyptienne dans le domaine de l'aviation civile à la Sierra Leone, car la période à venir verra plus de coopération, de travail et de coordination conjointe à cet égard. Pour sa part, l'ambassadeur de Sierra Leone, au Caire, a exprimé le souhait de son pays de bénéficier de l'expérience égyptienne dans le domaine de l'aviation civile, qui a réalisé de nombreuses réalisations au cours de la période écoulée.
Le succès des efforts de développement déployés par les gouvernements dans les différents pays du monde était lié à la mesure dans laquelle l'autonomisation économique et sociale des femmes est réalisée grâce aux efforts conjoints des parties concernées, des gouvernements, des partenaires au développement, de la société civile et du secteur privé. C'est ce qu'a déclaré en fait la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat. Cette dernière a indiqué que la direction politique en Égypte tenait le dossier des femmes à la tête des priorités et accordait en même temps toute l'attention aux questions d'autonomisation politique, sociale et économique des femmes, de manière à renforcer l'exécution de plans de développement, puisque l'État a pris au cours de ces dernières années de nombreuses mesures en faveur de la participation des femmes et que la stratégie nationale pour l'autonomisation des femmes 2030 a été lancée pour devenir un partenaire clé dans la mise en œuvre de la stratégie de développement durable. Madame Mashat a ajouté que ces efforts se reflétaient sur le classement de l'Égypte dans les indicateurs internationaux, comme l'a révélé le rapport des femmes sur les activités d'affaires, le droit pour l'année 2022. Donc, chers téléspectateurs, avec cette dernière nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition. Donc, encore une fois, je dois vous présenter tous les grands remerciements à vous pour votre attention, votre fidélité. Et je vous souhaite toujours de grands et joyeux bons moments sur NATM International. Au revoir.